10 exercices simples qui soulagent les maux de cou. Il existe des solutions douces et efficaces pour soulager les douleurs dans le cou. Souffrez-vous de maux de cou? Ces douleurs peuvent être très incommodantes même si elles paraissent être un symptôme anodin d'une mauvaise nuit ou d'un long moment passé devant un ordinateur. Le stress qu'elles occasionnent peut se transformer en souffrance éternelle. Cependant, il vous faut faire attention et bien faire la distinction entre le simple picotement nerveux et une sensation de brûlure, signalant des muscles déplacés et bloqués. Si vous vous trouvez dans ce dernier cas, n'hésitez pas à consulter un médecin. Mais ne vous inquiétez pas. Les exercices suivants vous aideront à soulager la douleur. Ils contribueront à retrouver flexibilité et relaxation, ce qui évitera à vos muscles de se tendre plus encore. 1. La posture adéquate. Asseyez-vous au sol, les pieds en papillon. Votre dos doit être aussi droit que possible et vos épaules détendues. Si pour une raison ou une autre, vous vous sentez mal à l'aise, appuyez-vous sur le dos d'une chaise. Sans changer de posture, concentrez-vous bien, inspirez puis expirez lentement à 3 reprises. Vous devez sentir l'air oxygéner votre poitrine jusqu'à sa sortie par les narines. Détendez-vous, c'est le moment de localiser la douleur. 2. Levez d'épaule à présent, étirez votre cou, reculez doucement vos épaules vers l'arrière. Maintenez bien votre posture droite, sans perdre le tempo de votre respiration. Répétez selon vos possibilités. Inspirez et expirez à chaque répétition. 3. Rotation du cou. Il est recommandé de pratiquer la rotation du cou en position debout. Ici encore, maintenez votre dos droit et contrôlez votre respiration. Tournez lentement votre cou vers la gauche. Faites 3 répétitions puis faites de même vers la droite. Répétez le mouvement 2 fois. 4. Inclinaison de la tête. Pour réaliser cet exercice, aidez-vous de votre main gauche pour incliner doucement la tête, jusqu'à ce que l'oreille touche l'épaule. Maintenez la position durant 15 secondes. Répétez les mêmes gestes de l'autre côté en vous aidant de votre main droite. Ensuite, procédez à 7 répétitions de chaque côté. 5. Tête baissée. Ici encore, aidez-vous de votre deux mains, mais cette fois-ci inclinée vers le bas en regardant vos chaussures. Maintenez la posture pendant 2 secondes. Répétez 15 fois. 6. Tête en arrière. Inclinez votre tête vers l'arrière et regardez vers le ciel. Maintenez le dos droit en retenant votre souffle. Inspirez et expirez. Tournez lentement la tête vers la gauche, revenez lentement au centre, puis faites de même pour le côté droit. Répétez le mouvement 15 fois. 8. Les menottes. Tenez votre dos bien droit. Avec votre main gauche, maintenez votre main droite, comme si vous étiez menotté. Inspirez et expirez lentement, tandis que vous tirez votre main vers la droite en inclinant votre tête du même côté. Maintenez la position pendant 10 secondes puis répétez les mêmes étapes pour le côté gauche. Répétez 2 fois pour chaque côté. 9. Mains sur la tête, le dos droit, regardez vers le haut et mettez vos mains l'une au-dessus de l'autre sur votre tête. Étirez légèrement votre cou, levez la tête, inspirez et soulevez l'épaule gauche. À présent, expirez et baissez l'épaule. Faites de même pour l'épaule droite. 5 répétitions pour chaque côté seront suffisantes. 10. Mains derrière le cou, positionnez vos mains derrière votre cou. Étendez vos bras sur le côté. Respirez profondément puis levez la tête en regardant vers le haut. Maintenez cette position 10 secondes et expirez pendant que vous baissez la tête. Fermez les bras et laissez vos coudes se toucher. Après 10 secondes dans cette position, séparez à nouveau vos coudes. Inspirez, levez la tête et répétez. Faites 7 répétitions. Recommandation contre les maux de cou, vérifiez que votre matelas soit bien ferme. Si vous devez porter quelque chose de lourd, prenez des précautions. Évitez de dormir sur le ventre, car cela endommage les vertèbres. Évitez les oreillers trop épais. N'oubliez pas de conserver une posture droite. Pratiquez une activité physique régulière pour apaiser le stress et garder vos muscles en mouvement. Ne restez pas trop longtemps dans une même position, si votre travail implique de rester debout ou assis pendant de longues périodes, déplacez-vous fréquemment et étirez vos muscles.
Note, rappelez-vous que ces exercices sont des conseils sur base d'avis médicaux généralistes. Si vos maux de cou sont persistants ou bien intenses, il est préférable d'aller consulter un spécialiste. Ne mettez pas votre corps à l'épreuve.